Bonjour, bonjour, and welcome back. Today we're going to learn the verb pouvoir, which means to be able, can. In the present tense, it means je peux, I can, and we don't pronounce the X. In the past tense, passé composé, we say j'ai pu, and it means I was able. And in the future tense, it means je pourrais, it means I will be able. The verb pouvoir, can, or to be able, can have different meanings, whether ability, possibility, request, etc. And we will look at further examples to understand better. As we can see, il peut means he can in the present tense. Il a pu, it means he was able in the past tense, le passé composé. And in the future tense, we say il pourra, it means he will be able. J'ai pu bien comprendre la leçon. Let's repeat it. J'ai pu bien comprendre la leçon. I was able to understand the lesson. Est-ce que tu as, and we do the link, est-ce que tu as pu acheter du lait, and we don't pronounce the T in lait, est-ce que tu as pu acheter du lait, were you able to buy milk, est-ce que tu as pu acheter du lait, nous avons, but we do the link, nous avons pu aller au cinéma, nous avons pu aller au cinéma. We were able to go to the cinema. Nous avons pu aller au cinéma. Ils ont pu partir en vacances. Ils ont pu partir en vacances. They were able to go on holidays. Ils ont pu partir en vacances. Il a pu finir son travail à temps. Il a pu finir son travail à temps. Il a pu finir son travail à temps. He was able to finish his work on time. Il a pu finir son travail à temps. In the present tense, je peux lire ce livre. Je peux lire ce livre. I can read this book. Je peux lire ce livre. Peux-tu me donner mon téléphone, s'il te plaît? Peux-tu, or tu peux, me donner mon téléphone, s'il te plaît? Peux-tu me donner mon téléphone, s'il te plaît? Can you give me my phone, please? Pouvez-vous m'aider à porter ce sac? Pouvez-vous m'aider à porter ce sac? Can you help me carry this bag? Pouvez-vous m'aider à porter ce sac? Si tu veux, tu peux venir avec moi. Si tu veux, tu peux venir avec moi. If you want, you can come with me. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Je pourrais répondre à votre question. Je pourrais répondre à votre question. I will be able to answer your question. Je pourrais répondre à votre question. Je ne pourrais pas venir à ton anniversaire. Je ne pourrais pas venir à ton anniversaire, but we do the link. Je ne pourrais pas venir à ton anniversaire. I won't be able to come to your birthday. Je ne pourrai pas venir à ton anniversaire. Tu pourras? Manger, tu pourras manger cette pizza plus tard. Tu pourras manger cette pizza plus tard. You will be able or you can eat this pizza later. Tu pourras manger cette pizza plus tard. Est-ce que vous pourrez venir la semaine prochaine? Est-ce que vous pourrez venir la semaine prochaine? Will you be able to come next week? Est-ce que vous pourrez venir la semaine prochaine? Ils pourront préparer le dîner ce soir. Ils pourront préparer le dîner ce soir. They will be able to cook dinner tonight. Let's recap the present tense, the past tense, le passé composé, and the future tense for the verb pouvoir. Je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, for a formal or plural group, vous pouvez, il for a masculine plural or a mix of group, elle for a feminine plural, peuvent. J'ai pu, in the past tense, tu as pu, il, elle a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu or elles ont pu. In the future tense, je pourrais, tu pourras, il pourra, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront, elles pourront. Thank you so much for watching. I hope really you found it useful. Don't forget to subscribe and see you soon in our next video. Merci, merci et gros bisous à tous.